Je mm -hmm. mm -hmm. Tu une grande fille ou une petite fille là? Une grande fille. Comme qui? Comme papa Et vous, moi, une fille? Non. Mm -hmm. une grande fille comme Maria. Mm -hmm. <laughs> Mmh. Tu vas, Mariam papa, Oui. Hein? Tu es sûr mmh. D'accord. On va quand ah? On va quand Midi. Mmh. Demain Oui, mmh. papa, mais... Ah, tu as... As... as plus mon cou là, j'arrive pas à manger. <laughs> papa, tu manges les œufs Je mmh. J'ai mangé tous tes œufs. Tu te donnes Oui. Mmh. Tu n'as pas vu, c'est sur... la sauce meilleure. La sauce vinaigrette tu va manger, tu vas partir. Hein? Oh non, regarde. C'est tombé, bébé. Pourquoi c'est tombé? Oh, j'étais trop loin. Regarde, c'est tombé. C'était loin, papa. C'était loin. J'étais mmh. bon. presque, papa. Regarde ça, Sally, la chaise. Hum? On fait comment? On attend le direct, d'accord? Papa, ça lit Regarde, regarde chaise. ça, Sally. Je veux de l'eau. Demande-moi de l'eau. Demande de l'eau, s'il te plaît. Pour nettoyer ici. Regarde. Ça va, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. J'ai beaucoup pensé à toi cette nuit. Qui prépare la sauce, C'est maman Thérèse. Maman Thérèse Ça va Tu veux quoi je veux les oeufs, je veux les oeufs. On va à la cuisine alors. Maman Thérèse! Maman Teres On, commencer... On va commencer On va commencer le direct un peu tôt. Aujourd'hui. Je <coughs> vais commencer le direct avec toi. Bébé Je suis content que tu sois là. Merci papa. Et toi petit, 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 petit. Est que Tu es content de me voir Oui. Petit papa. Est papa. Non, est-ce que tu es sûr petit, petit, petit. que tu es content de me voir Oui papa. Oh, petit, petit, c'est petit, pas, petit, pas sûr. Petit, petit. Si papa. Hum? Si papa. Est-ce que tu es une princesse Mhm. Mm tu es sûr Mhm. Mm princesse qui Princesse Sophia! Moi, je ne connais pas le Sofia. Sophia. Pourquoi? Moi, je connais le Jemima seulement. Tu n'as pas le français de Jemima? Ah. Tu n'as pas le Jemima. de hmm? Jemima? Regarde. Hmm? Tu peux me mettre les caractères. Oui, après, je te mets tout ce que tu veux. D'accord? Oui, papa. C'est mm -hmm. si top. Tu manges Mais je suis pas fin de manger, s'il te plaît. S'il te plaît. Permets-moi de finir de manger, d'accord Oui, papa. <coughs> papa, je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Je t'aime. Je t'aime comme ça. Grand comme ça, tu vois ouais. Regarde comme ça. Comme le ciel. T'as vu Oui, je t'aime grand comme ça, comme le ciel. Waouh, wow, papa, t'es. Tes main, sont grosses. Oui, et toi, tu m'aimes comment Comme quoi Comme si c'est Oh non Est-ce que t'es sûr? Oui papa. Mmh. oui, papa Mais tu ne m'as pas demandé la nuit hum? Pourquoi tu ne m'as pas demandé la nuit Parce que je dormais. Mmh. Et quand tu dors, tu penses pas à ton père Si, papa Et c'était sûr oui, Si, papa mmh. Ton toboggan il est où? Il est dehors. Est-ce qu'il est gâté? Non, non. D'accord. Mmh. Mmh. à toi aussi, bisous. Maman. Bata. Ok. Et si tu Est-ce que je peux me chanter ah. un chant?

Du Kalakata, c'est une soeur en Christ. Est-ce qu'elle c'est une soeur en Christ? Est-ce qu'elle est qu va à l'église? Du kalakata? Le calakata ne veut pas partir à l'école. Mais est-ce qu'elle va à l'église quand même? Est-ce qu'elle vient à l'église chez nous? Non. Pourquoi? Est dans, elle est dans le téléphone. Oui, elle est dans le téléphone. Elle. Le elle téléphone est... de qui? Bouh! <laughs> elle est dans le téléphone de qui là? Elle est dans le téléphone de papa. Non, 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 elle n'est pas dans mon téléphone. Regarde, regarde, elle n'est pas là. Elle n'est nulle part. Regarde. un peu voir comment elle est là. Non, elle n'est pas là. Bon, il, il y a seulement Caillou. Mmh. Caillou aussi. Il s'est fâché le matin. Il est parti. Oui, je te mets caillou après mon émission. D'accord? Non! J'ai Arrête. Tu as, tu as promis, tu as dit que dès qu'on finit de manger ensemble, là, tu t'en vas. Tu dois faire l'émission vite parce que j'ai des choses à faire. D'accord? Voilà, bonjour. Quoi Il y a quoi Il y a quoi Il hum? y a quoi Voilà, je fais l'émission et je te promets, tu viens, je vais mettre tout ce que tu veux. D'accord, vas-y. Tu veux voir quoi après Tu veux quoi hum? Tu veux Lucas Lakata D'accord, dès que je finis mon émission, tu viens, je te mets Lucas Lakata. D'accord D'accord. Seigneur, merci pour ta grâce au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni au-delà de toutes choses, dans le nom prêché souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, dans le nom souverain de Jésus. On a tellement de choses à faire. Vous savez que j'ai eu de prière ce vendredi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et tous ceux. Qui sont euh, euh, dans la ville de Yaoundé ou bien ses environs sont mes invités. C'est une nuit spéciale où la main de Dieu fera quelque chose de grand et de grave. Hmm, ça, c'est clair. Le camp de l'ennemi connaîtra, subira des dégâts irréparables. Des dégâts irréparables dans toutes nos familles. La main de Dieu manifestera sa bonté et sa miséricorde. Lorsque le peuple de Dieu est rassemblé, alors l'impossible devient possible. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous savez, bien aimé, ce forum, euh, à la lumière des saintes écritures, est un espace pour les assoiffés de la parole de Dieu, pour les passionnés de la parole de Dieu. Donc, quel que soit le thème que nous allons aborder, parce que chacun doit attacher sa ceinture, quel que soit le thème que nous allons aborder, nous allons escortiquer ce thème ensemble, nous allons parler ensemble de ces mystères-là. Et je pense que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés et nous nous attelons à cela aussi. Donc, on va commencer, d'autres vont nous rejoindre tout à l'heure par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y en a qui sont occupés et qui attendent dix heures pour être connectés, ils trouveront déjà, euh, ayant fait un bon bout du chemin. Mais dans tous les cas, la Bible dit que si quelqu'un d'un autre a Christ l'éclairera, je crois que le Seigneur manifestera sa grâce et il nous accordera à chacun de nous. Euh, la révélation de sa parole. L'apôtre Paul a dit, Nous connaissons, mais en mérouche, et nous prophétisons, et c'est des mérouches. Donc les mérouches ici, ça veut dire, c'est une partie infinie, tésimale, Une partie infinie, tésimale, Ça veut dire infiniment petite, dans le tout que représente Dieu. Donc quel que soit ce que nous pouvons dire, quel que soit ce que nous pouvons croire, quel que soit ce que nous pouvons enseigner sur Dieu, en réalité, toute notre connaissance n'est continue que dans les mérousses, comme l'apôtre Paul l'a dit. C'est des mérousses. Ça veut dire que c'est une partie tellement infime qu'elle est presque inexistante. Comme pour dire en conclusion que nous connaissons presque rien de Dieu. C'est un peu ça la réalité. Nous ne connaissons presque rien de Dieu. Donc parfois, même lorsque euh, nous avons, euh, nous avons le, comment dit cela, la prétention d'avoir la connaissance des mystères du royaume de Christ, en fait, cette connaissance-là est trouvée dans les mers rouges. Ce n'est pas une grande connaissance en tant que telle. Ça veut dire quoi Nous ne connaissons presque rien de Dieu, en réalité. Les plus grands savants bibliques, les plus grands chiants bibliques, les plus grands biblistes, les plus grands érudits dans les scènes des écritures en réalité, et dans toute la beauté mirobolante et mirifique de leur connaissance, ne connaissent rien ou presque rien de Dieu. De l'apôtre Paul expliquait, la connaissance que nous avons de Dieu est presque inexistante par rapport à la connaissance de Dieu, ou à, par rapport à la révélation de la personne de Dieu. Ce que Dieu est, eh, nous ignorons, C'est-à-dire, nous ignorons presque tout de ce que Dieu est. Et vous verrez la réverbérance de ceci dans euh, la déclaration de l'apôtre Jean lorsqu'il expliquera que Jésus-Christ a fait encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas notées dans la Bible. Comme pour dire quoi? Pour dire que les choses que nous connaissons de la Bible, la Bible que nous avons, en réalité ne relatent pas tout ce que Jésus-Christ a dit, ne relatent pas tout ce que Jésus a enseigné, ne relatent pas tout ce que Jésus-Christ a fait, mais juste une partie infinie infinitésimale. Et ceci, et je disais, est, est la révérence, mais la rémanence de la personnalité de Dieu. Ça veut dire que c'est comme le reflet de la révélation de la personne de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous connaissons de Dieu n'est rien par rapport à ce que nous ne connaissons pas de Dieu. Ce que nous ne connaissons pas de Dieu est de loin plus vaste et infiniment plus vaste que ce que nous connaissons de Dieu. En conclusion, nous ne connaissons presque rien de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dira que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc personne ne peut s'approcher de Dieu, de Jésus-Christ, si Dieu ne l'attire. Qu'on peut dire quoi Il y a une invitation. Pour avoir la révélation du royaume, il faut recevoir cette invitation de Dieu. ce si n'est pas l'invitation, vous ne pourrez pas accéder aux choses les plus simples et élémentaires du royaume de Jésus-Christ. Ce n'est pas les diplômes en théologie qui vous octroient la connaissance des mystères bibliques. Ce n'est pas des diplômes séculiers qui vous accordent la grâce. C'est dire si vous avez un doctorat en médecine ou je sais pas trop en quoi, que vous pensez que vous êtes intellectuel, alors automatiquement vous comprendrez la Bible. Non. Vous la lirez comme un roman, mais vous n'aurez pas la révélation, ce que la Bible appelle le remati Voilà. Ou le remata. C'est-à-dire la, la, la parole révélée de Dieu sur place. C'est-à-dire la parole dite de Dieu sur place. Voilà. Donc, qu'on peut dire que nous devrions adopter une, une attitude d'humilité, de profonde humilité. Dieu, c'est l'humilité. Pour comprendre Dieu, il faut être humble. Il faut s'humilier. Il faut chercher sa face. Vous voyez, bien aimé, euh, lorsque nous parlons de certaines choses, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais nous prions continuellement pour ces personnes, que Dieu les aide aussi à comprendre comme il nous a aidés à comprendre, nous tenons rigueur à personne. Mais nous savons que le don de Dieu est donnée à ceux dont le cœur est disposé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, la bonne volonté, lorsqu'elle existe, existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, il faut comprendre que Dieu ne peut se révéler à une personne qui ne manifeste pas la bonne volonté ou des dispositions volanistiques à pouvoir découvrir Dieu. Donc, il est impossible de connaître Dieu si on n'a pas l'aspiration de le connaître. Hein? C'est pour ça que Paul dit que la bonne volonté, lorsqu'elle existe, lorsqu'elle existe, existe en raison de ce qu'elle a et non pas en raison de ce qu'elle n'a pas. Donc on peut dire quoi Pour dire que dans tout ce que nous avons à faire pour Dieu, nous devons apprendre à développer la bonne volonté. Pas la mauvaise volonté parce qu'il y a aussi la mauvaise volonté. Il y a la mauvaise volonté aussi. Donc je pense que mes propres fils ne connaissent pas mes heures d'émission. C'est choquant. Hum? Comment Reverend Bassama peut m'appeler à sachant que j'ai le direct à l'heure-ci hum? C'est choquant, ça. 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. voyez, ouais. donc c'est un peu ça. Donc la bonne volonté, lorsqu'elle existe, hum? La bonne volonté, lorsqu'elle existe, il y a des versions qui disent existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, ici, la Bible dit la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Voilà. Donc, on peut dire que la volonté est très importante. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment spécial. Demandons au Seigneur l'intelligence et l'ouverture de l'esprit pour comprendre la révélation de sa parole nous sommes dans la prière au nom de Jésus piradi wa innas krezo malyana man lasman baros man evani wa idelata wa anna asmalikum wa inemada des mata fel kauzama seño baria naubura ki fili maudali borna le isparos meda wa an asparaza le marista fili gausmen edaita wa anna asmagera seño merci pour ta grâce que ton nom soit béni et glorifié. Ouvre-nous l'esprit pour comprendre ta parole et manifeste une grande grâce dans nos vies. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Il y a une jeune femme qui est en train de me suivre, qu'on appelle Marie Evie. Mariam Evie. Vous êtes en train de me suivre là en direct et vous avez laissé votre foyer ouvert. Le gaz, allez fermer la bouteille parce qu'il y a un incendie. Faites-le rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, j'ai écouté ma prière à cause de vous. Faites-le rapidement avant que... L'incendie nous se déclare dans votre maison. Fermez la bouteille à gaz et appelez un technicien pour vérifier. Il y a une fuite dans votre cuisine. Donc, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Nous allons demander à Dieu, oh, que Dieu ait pitié de son Église en Afrique et en Europe et dans le monde entier. En ces derniers temps, Jésus-Christ a dit, « Lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» Il dit encore, il dit, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint que celui qui lui fasse attention. » Donc aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Prions que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne dans son Église pour remettre la paix, l'ordre et l'unité. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, nous prions pour la paix dans ton Église. Nous prions pour ta main, que ta main soit agissante et qu'elle soit forte. Seigneur, étends une bonne main dans nos vies. Seigneur, pour détruire l'œuvre de Satan dans nos vies et dans ton Église. La Bible déclare le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Seigneur, que Satan ne subsiste point au milieu de nous, mais que ta grâce qui surpasse toutes choses nous soit abondamment accordée. Que l'unité au milieu de ton peuple, au milieu de tes serviteurs puisse être rétablie, afin que nous avancions, que ton nom soit glorifié au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer euh, ce matin par une homélie du Seigneur Jésus-Christ. On va lire cette homélie-là, et puis je vais expliquer une ou deux choses, et on va revenir. Dans la thématique de ce matin, pourquoi autant de morts parmi les hommes de Dieu au Cameroun, dans notre nation, et ce n'est pas seulement la nation camerounaise, il y a aussi d'autres nations, comme le Togo, qui sont aussi touchées par ce fléau de morts de mort précoces parmi les hommes de Dieu. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut que nous arrêtions pour comprendre ce qui ne va pas. Il ne faut pas faire comme si tout allait bien. C'est important de s'arrêter un instant en tant qu'église pour essayer de voir pourquoi autant de morts parmi les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête Quels sont les remèdes hein? Quelles sont les solutions que nous pouvons envisager pour que ce fléau puisse s'arrêter Vous savez, dans notre nation actuellement, à un moment, tellement la mort était accélérée parmi les hommes de Dieu que et je pense que certains hommes de Dieu ont pensé à fuir le Cameroun. On a perdu tellement, tellement de géants dans l'église. Tellement de géants sont partis tellement de géants sont partis. Mais avant de lire le texte que nous devrions que nous devons partager ensemble, je voudrais revenir euh, sur, euh, sur quelque chose pour essayer euh, d'attirer l'attention des gens pour comprendre d'abord que il faut savoir d'abord que toutes ces morts ne sont pas un jugement de Dieu. Il y a le jugement de Dieu dedans. Ça c'est clair. Il y a le jugement de Dieu dedans. Il y a la main de Dieu dedans. Mais toutes ces morts ne sont pas un jugement de Dieu. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont morts, qui sont morts parce que Dieu les a frappés. Non. D'autres ont fini leur carrière normalement et puis ils sont rentrés à la maison, se reposer. Leur temps était venu. D'autres aussi, euh, le Seigneur leur a donné le temps de se repentir. Le temps de se repentir. Parce que Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Lorsqu'un homme de Dieu ou une brebis du Seigneur s'égare, lorsqu'une personne commence à faire ce qui est mal, Dieu ne vient pas te tuer directement. Non, il n'est pas méchant, notre Dieu. Il t'avertit d'abord. Dieu te parle. Il te parle Pas des songes. Il peut envoyer des gens vers toi pour te parler. Il, il, il va t'avertir toi-même déjà par ta conscience. Etc. Dieu va utiliser tous les moyens pour te rencontrer. Il y aura des pour parler. Dieu va engager des pour parler avec toi. Il va te dire ce que tu fais là n'est pas bien. Alors, si tu continues à le faire, Automatiquement, Dieu te frappera parce que tu deviens un danger. Au lieu d'être une sécurité pour les brebis et sa bergerie, tu deviens plutôt un danger pour les brebis et la bergérie de Dieu. Alors, je vais vous raconter d'abord une petite histoire euh, qui est une histoire vraiment. Je voudrais dire aux gens que, que mes thèmes ne vous mettent pas mal à l'aise. Hein? Mes thèmes, mes thèmes visent à résoudre des problèmes sérieux dans ces générations. Donc, je crois qu'il faut que les gens comprennent cela. Mes thèmes, dans tous les cas, ne peuvent plus être comme avant mes thèmes ne vous effrayent pas ou bien ne vous bornez pas sur mes thèmes bornez vous à ce que j'enseigne derrière ces thèmes l'enseignement qu'il y a derrière ces thèmes c'est le plus important regardez laissez moi vous montrer une chose lorsqu'un homme de dieu commence à dévier dieu est derrière son dos dieu est derrière cet homme de dieu parce que c'est très facile pour qu'un homme de dieu dévie ça veut dire que la limite entre le vrai et le faux n'est pas vaste elle est maigre, c'est ça la réalité. La limite entre la volonté de Dieu et être hors de la volonté de Dieu, elle est très infime pour les hommes de Dieu. Donc, lorsqu'un homme de Dieu commence à dévier, je parle, de, je parle des hommes de Dieu. Je ne parle pas des faux. Je parle pas des faux. Je suis pas ici pour les faux. Je parle des personnes que Dieu a appelées vraiment, qui ont un jour eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un homme de Dieu commence à dévier, l'esprit de Dieu qui est en lui va lui parler. Le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est de nous ramener, parce qu'en fait, le bon berger, c'est Jésus. Il dit, ego Moi, je suis le bon berger. Donc, pour dire quoi, le Seigneur Jésus-Christ ne laisse pas ses serviteurs s'égarer comme ça. Lorsque quelqu'un commence à s'égarer, le Seigneur va revenir, il va venir vers son serviteur et lui dira, « Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Moi, je ne peux pas compter combien de fois. » Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait des reproches et il m'a recadré dans mon ministère. Je ne sais pas combien de fois. Moi, vous savez, je ne veux pas me faire passer pour un Dieu, pour Dieu, devant les hommes. Non, je suis un homme comme vous. Ça veut dire que, qui a dit que je suis un homme Il ne faut pas mal interpréter. Je ne dis pas que je suis un pécheur. Je ne suis pas un pécheur, je suis un saint. Mais je suis un homme. Je suis un homme. Il faut que les gens comprennent cela. Je suis un homme. Donc, en tant qu'homme, je ne connais pas mon demain. Je ne connais même pas le pas suivant où il sera mis. C'est Dieu qui est mon berger. Le roi David a dit Yahweh rohi, lo'esar. En hébreu ça veut dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça la vérité. Donc je ne veux pas prétendre être ce que je ne suis pas. Je suis un homme comme vous, de la même nature que vous. Les mêmes batailles que vous avez, je les ai. Les mêmes tentations que vous avez, je les ai. Donc je ne peux pas compter combien de fois le Seigneur Jésus-Christ m'a recadré. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. La Bible dit que si tu, tu n'as pas de droit, ceux qui n'ont pas droit au reproche de Dieu sont réprouvés de Dieu, ils sont rejetés par Dieu parce que lorsque Dieu ne s'intéresse pas à vous, il s'en fout de vous. Quand Dieu ne s'intéresse pas à toi, il s'en fout de ce que tu fais. Fais comme tu veux, dis comme tu veux. Dieu ne viendra jamais te dire que ma fille, ça c'est pas bon bien mon fils, ça c'est pas bon. Dieu s'intéresse à son peuple, à ceux qu'il aime. À ceux dont le cœur est tout entier tourné vers lui, la Bible dit L'Éternel parcourt la terre tout entière pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier tourné vers lui. Donc, quand ton cœur est vrai, ton cœur est sincère, Dieu ne permet pas que tu t'égares. Dans tes égarements, l'Éternel est ton berger et il te permettra point de t'égarer. Il te ramènera toujours. Voilà pourquoi nous disons que on ne, le diable ne peut pas séduire ceux qui sont de Dieu. C'est compliqué. C'est pour ça que Jésus lui-même dira, et il séduira, ils séduiront, si possible, même les élus, pour montrer la difficulté à séduire quelqu'un qui a Dieu, quelqu'un euh, qui porte l'Écriture de Dieu dans sa vie. Donc, revenons donc à nos moutons ou à nos chèvres. J'expliquais Je que pour qu'un homme de Dieu se gare, c'est compliqué. Moi, j'ai commis des erreurs dans le ministère. Il y a des, des mauvais choix que j'ai parfois fait, parfois des mauvaises amitiés, des mauvaises relations. Ça veut dire que tu avec quelqu'un, à l'apparence, lorsque tu vois la personne, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui respecte la déontologie ministérielle. Et puis tu lui dis, ok, c'est un bien-aimé pour l'unité du corps de Christ, ok, d'accord, il faut qu'on marche ensemble. Et puis un jour, le Seigneur te donne une révélation sur la personne, que voici ce que la personne fait en secret et qui est mauvais. Et le Seigneur te dit, faut t'en séparer. Et puis tu t'en te, tu sépares. Et c'est important. Et j'ai expliqué, même lorsque je n'étais pas encore un homme de Dieu. La bonté de l'Éternel m'a toujours préservé de prendre le mauvais chemin. Je me souviens, j'ai raconté cette histoire d'une jeune sœur que j'aimais à l'époque, euh, dans les années 2001-2002. Alors, on habitait en même temps ensemble, on habitait ensemble, et j'ai commencé à la convoiter. Et, et c'était une jeune sœur. Je ne savais pas comment je vais faire pour l'aborder cette aura, et je lui ai dit "Ok, je vais t'enseigner les arts martiaux." Et donc, je lui dis, ok, écoute, attrape-moi comme ça, elle attrape ma poitrine. Je lui montre comment il faut se bah T'as vu, est-ce que t'as vu ça? Elle dit, oui, si tu as bien vu. Elle dit, oui. Je dis, reviens encore, attrape encore ma poitrine, tiens la poitrine. Et bah, bah, tu as vu comment je me dégage? Elle dit, oui. Je dis, ok, toi aussi, mets-toi, je vais te tenir aussi la poitrine. Et tu vas me dire, tu vas te dégager. Donc, moi aussi, je tiens sa poitrine. Pourtant, c'est ses seins que moi je visais. J'étais enfant de Dieu, né de nouveau, rempli dans le Saint-Esprit. Donc, et je touche ces seins là, je tiens comme ça là. Et je fait, waouh depuis là, elle n'arrive pas à se dégager. Les mains sont sur ça. Dans une nuit, le Seigneur Jésus m'apparaît en vision. Il me dit, Ferdinand, ton amour pour ta soeur est corrompu. Donc abandonne cet amour-là. Quitte derrière elle afin que ta vie puisse être épargnée. Marche sur le droit chemin. C'était dans une vision. Le Seigneur m'a ramené. C'est pour ça que David dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lorsque j'enseignais encore à Magba, au lycée de Magba, quand j'enseignais au lycée de Magba, je vous ai expliqué. Il y a une jeune fille, une jeune fille de 14 ans, vierge, qui est venue un jour, c'était mon élève, j'enseignais, elle, elle faisait la classe de quatrième, j'étais son professeur de français à l'époque, dans les années 2001, 2000-2001. Donc, qu'est-ce qui se passe Un jour, dans ma chambre, on toque à la porte et j'ouvre la porte de la chambre et puis je trouve que c'est la jeune fille. Elle a fait comment pour connaître ma chambre Je ne sais pas. Ne me pose pas la question. Je ne pas répondre. Va demander à Joseph ce qu'il a fait pour sortir des habillés nus de la chambre de Potiphar. Va lui demander comment il a fait pour que ses vêtements se retrouvent entre les mains de la femme de son patron. Joseph, il faut donner des explications. Donc, avant de venir me poser des questions, va d'abord poser pour Joseph. Quand Joseph va te répondre, ça pas, Tu viens. Entre-temps, j'aurai l'inspiration peut-être. Mais dans tous les cas, elle a frappé à la porte de ma chambre. J'ai ouvert, elle est entrée. J'étais chrétien. Né de nouveau, rempli dans le Saint-Esprit, manifestant le don de diversité des langues. Il n'y a pas de christianisme de chrétien sans tentation. Et il n'y a pas, surtout nous les jeunes, ce n'est pas facile. Il ne faut pas, je ne peux pas venir te dire que je n'ai jamais été tenté. Non, non. Ou bien que mes pas n'ont pas failli aller à la dérive, que je n'ai pas failli me retrouver dans les Sissongos. Mais je vais te montrer la fidélité de Dieu envers ceux qui l'aiment sincèrement. Quand ton cœur est vrai. Quand tu es innocent dans ton cœur, quand ton amour pour Dieu est pur, Dieu ne permettra pas que le diable te garde loin des sentiers de la justice. La jeune fille Ah, oh, c'est pas vrai, le téléphone a surchauffé. Désolé, désolé, on a été coupé tout à l'heure. On reprend, on attend, tout le monde. On a été coupé. Connectons nous maximum, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons cette vidéo au maximum. Partagez la vidéo dans tes groupes. Si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous. Mon téléphone a chauffé. Donc il se chauffe, c'est l'iPhone. Quand ça chauffe, là ça s'éteint directement. Nous attendons tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Hmm. Oh vraiment. Nous attendons tout le monde. Connectons-nous massivement. Connectons-nous, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Pour ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît, euh, abonnez-vous. Abonnez-vous à la page. Envoyez des cœurs et des pouces. Pour affirmer la REMA Facebook Church. Facebook Church. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom de souverain de Jésus. <coughs> nous prendrons un retard. On va prendre un petit retard. On est à 10h15. Oh là là Merci Jésus, merci Père, parce que tu es grand. Donc voilà, on est en train de parler. Donc je parlais de l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si Dieu ne peut pas, si le Seigneur ne peut pas être ton berger, Dieu n'était jamais apparu pour te dire que non ma fille, la voici n'est pas bonne, non mon fils, la voici. En fait, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu te remettes en cause. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc, je racontais l'histoire de cette jeune lycéenne qui entre donc dans ma chambre, lorsqu'elle entre dans ma chambre, et, et puis elle me dit, OK, vraiment, je suis vierge et je veux que ce soit vous euh, qui me fassiez perdre ma virginité. Et quelque chose va se passer. Et je vais lui dire, non, écoute, d'abord, il faut qu'on parle. Non, je lui ai expliqué que non, écoute, tu vois, tu es vierge et c'est bon pour que tu gardes, de garder ta virginité parce que c'est le plus beau cadeau que tu offriras à ton mari. Elle m'a dit que non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas obligé que je me marie étant vierge. Et je lui ai dit qu'une autre chose, c'est que tu tomberas enceinte si on fait ce que tu veux là. Elle m'a dit que non, il y a le préservatif. Donc, tout ce que j'ai apporté comme argument, elle n'a pas voulu écouter. Et je lui ai dit, assieds-toi, je veux te parler. Et elle s'est assise. Et je lui ai parlé du Seigneur Jésus-Christ et je lui ai parlé de donner sa vie à Jésus et de. de, de en fait, de l'obéissance au commandement de Dieu. Je lui ai parlé de mon Dieu, de ma foi. Et des lois de mon royaume, du royaume de mon Seigneur. Et quand je lui ai parlé, alors automatiquement, elle s'est mise à pleurer. Parce que l'évangile a touché son cœur. Et quand l'évangile l'a touché comme ça, euh, elle s'est répandue et elle a remis son pantalon. Et elle est sortie de ma chambre. Lorsqu'elle est partie de ma chambre, bon en classe, je faisais cours toujours, mais tu sentais que ses yeux étaient toujours sur moi, elle m'aimait. C'était une petite fille, elle m'aimait. Moi-même, bon, j'étais encore jeune, homme, mais j'étais quand même majeur. J'avais 23 ans à l'époque. Hein, J'avais 23 ans, 22 ans 23 ans. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après tous ces événements-ci, euh, le diable m'explique que non, tu vois, vraiment, la petite là, tu peux goûter même une seule fois et ça va. Hein? Tu goûtes là, ça va, tu te répands. Comment toi, on t'apporte ça à la maison gratuit Tu refuses, tu dis que non, la foi est montée, la foi est descendue. Tu prends une fois seulement, pas que deux fois. Tu goûtes seulement une fois. Une seule fois là, tu sors, c'est fini. Et ce si qu'on t'a dit que je dit que tu restais dedans Non. Si tu restes, pas bon. Tu t'amènes, c'est le péché, c'est pas bien. Donc tu fais une fois et puis ça va. Et je vous dis la vérité que la pensée a commencé à devenir de plus en plus forte dans mon esprit. Et j'ai commencé à sentir une faiblesse en moi, le genre que je risquais de dire à la petite que, bon, petite, viens quand même, je veux voir ton problème là, si je peux te proposer une petite solution là, je tire un coup là et ça va. C'est ça la réalité. Alors, la nuit, je sens que si je dormais encore, je passais encore une nuit de plus à Mabba, j'aurais eu des problèmes. Je me serais retrouvé à commettre la fornication. Alors, la nuit là, pendant que je dormais, et le Seigneur Jésus m'apparaît en vision. Et puis il me dit, Ferdinand, sors de cette ville immédiatement, avant que tu ne sois contaminé par le VIH. Et justement, c'était, Macbas, c'est un, une petite ville où il y a tellement, tellement, tellement et tellement de VIH. Parce que ça dit que ça se contamine partout euh, rapidement. Je sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. De la nuit-là, Dieu me dit que mon ami, sors de cette ville rapidement, avant que tu ne sois contaminé par le VIH. Bien-aimé, j'ai fui en laissant la porte ouverte le matin, j'ai laissé le lit, j'ai laissé le matelas, j'ai laissé les draps, dont tu pouvais suivre mes habits qui tombaient en route, jusqu'à la gare voyageuse, jusqu'à savoir quelle agence j'ai pris. Hein, quelle agence j'ai prise. Pourquoi? Parce que j'ai fui comme un fusible, j'ai, j'ai sauvé ma vie et je suis sorti de là, comme lorsque l'autre est sorti de Sodome et de Gomor. Oh, si l'éternel n'était pas mon berger, comme David dit, Yahweh Rohi, Loessar, je serais tombé dans le péché, certainement, peut-être aujourd'hui, je ne serais plus vivant, je serais mort du VIH. Parce que tous les jeunes gens avec qui j'ai grandi sont morts du VIH. Tous. Il n'y a pas un seul que je connaisse. Tous sont morts de la même maladie, le VIH. Vous voyez. Donc, comme pour dire que euh, c'est Dieu qui veille sur nous, c'est l'éternel qui nous garde. Personne ne peut être prétentieux pour dire oh non, non, non. C'est la bonté de l'éternel qui nous préserve du mal. C'est sa grâce qui nous garde et qui nous gracie. Donc, bien aimé. Nous revenons sur pourquoi autant de morts parmi les hommes de Dieu. J'étais en train de donner ce témoignage pour expliquer que un vrai homme de Dieu le voit s'égarer, c'est difficile. Pour qu'un vrai homme de Dieu ou pour qu'un vrai enfant de Dieu s'égare, c'est très compliqué. Parce qu'il y a trop d'étapes, il y a trop de barrières que Dieu met devant toi. C'est pour cela que Dieu va expliquer à l'apôtre Pierre. Il dira à l'apôtre Pierre que euh, lorsque tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, quelqu'un d'autre te scindra et te conduira où tu ne veux pas. Tout homme de Dieu, appelé de Dieu, vraiment. Et tout chrétien appelé de Dieu a ce que j'appelle la ceinture de Dieu sur ses reins. C'est-à-dire que Dieu seigne ses reins. Lorsque tu vas aller loin, Dieu te tire par cette ceinture-là pour t'empêcher de devenir impie. C'est pour ça que j'ai dit que c'est compliqué. Quel homme de Dieu appelé de Dieu, qui un jour a vu la gloire de Dieu, s'égare. C'est compliqué parce que Dieu ne le laissera pas. Lorsque je suis arrivé au Burkina Faso en, 1900, euh, 1900, en 2017, j'ai fait une campagne et j'ai prophétisé. Les frères du Burkina Faso peuvent encore s'en souvenir. J'ai tellement prophétisé que le Burkina était en feu. Le Burkina était en feu. Donc les gens disaient, Major prophète, oh grand prophète, vraiment numéro un, number one, les gens me donnaient tous les noms. C'était terrible. C'était terrible, bien aimé. C'était fort. Et si je vous dis que je n'étais pas content, je mens. Mon cœur se dilatait en moi. Mon cœur exultait, exultait en moi. Alors, la même nuit, pendant que je dormais, le Seigneur Jésus-Christ m'apparaît dans ma chambre d'hôtel au Burkina Faso. Et il entre, il est triste, il n'est pas content. Et il me pose la question suivante Ferdinand, pourquoi lorsque tu prêchais hier, tu prophétisais hier. Les gens disaient, "Major Wad, Major prophète, Number Wad, etc., etc. Et j'ai répondu au Seigneur dans la vision qui s'est passée. On est jeunes, Seigneur. Tu sais que nous, les jeunes gens, là, on aime l'ambiance. Quand c'est chaud, 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 là, c'est ça que nous, on aime. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que non. Lorsque je te donne ma parole, je mets ma parole dans ta bouche pour mon peuple. Donne-lui simplement ma parole. Tu n'as pas besoin de nom. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle de major ou quoi, ou quoi. Tu n'as pas besoin de ça. Et le Seigneur m'a dit, d'autres ont fait ça avant toi. J'ai retiré mon don sur eux. Et ils sont redevenus aveugles comme ils étaient avant. Et lorsqu'ils sortaient, le peuple les haranguait. Mais ils n'arrivaient plus à prophétiser. Pourquoi Parce que leurs yeux étaient aveugles. Et il m'a dit, quand je te donne ma parole, donne ma parole à mon peuple. Mais si tu veux prendre ma gloire... Je te rendais aveugle. Alors, je suis retourné le lendemain soir dans la maison du peuple au Burkina Faso. J'ai confessé mon péché en public. Je leur ai dit voici ce que le Seigneur Jésus m'a dit cette nuit dans ma chambre d'hôtel. Je me repens, ne m'appelez plus jamais médium prophète, ne m'appelez plus jamais One. ne m'appelle plus. Il y avait des noms, même d'autres m'appelaient même Witch Killer. Prophétesse c'est-à-dire tu es de sorciers. Donc on m'avait donné tous les noms, j'ai interdit ça. Et j'ai dit à mes enfants, lorsque je prophétise, ne disent plus dans le micro, major prophète, major. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut que je le fasse aussi. Je me suis repenti. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais entendu lors de mes ministères que je dise qu on dise majeure prophète. Ou bien je me dis que moi je suis le prophète majeur. Non. C'est pour ça qu'avant de rendre ministère, je me mets toujours à genoux. Je me mets à genoux pour me rappeler que je ne suis que poussière, et un serviteur inutile, et que le monde entier sache que je suis zéro et qu'il y a un seul qui est vivant. C'est pour ça que quand je prophétise le plus souvent, je dis que qui aime Jésus, lève les mains, je Dis Seigneur Jésus, je t'aime, parce que je veux toujours ramener le cœur du peuple vers son Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis, basé sur mes expériences personnelles, que je dis que c'est compliqué pour qu'un vrai homme de Dieu, ça dit, se retrouve dans le faux. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu te parlera. Dieu, ça dit Dieu, Dieu sera, il sera, il sera ta protection. Il sera ta bannière. Il sera, il sera, il sera, il, il sera ton garde-fou. Parce que Dieu n'accepte pas que ses serviteurs s'égarent. Donc, pour voir un homme de Dieu s'égarer, un vrai s'égarer, c'est rare. C'est compliqué. Et si ça arrive, ça veut dire que l'homme-là. Son cœur est mort, sa conscience est complètement morte, c'est fini. Sa conscience, il a vendu son âme au diable. Mais je sais une chose par mon expérience de tous les jours. Il y a tellement de choses que parfois, je veux faire. Le Seigneur me dit, non, tu ne fais pas, monsieur. Je vois tout le monde faire, même d'autres hommes de Dieu font. Moi, par exemple, je ne peux pas boire l'alcool. Le Seigneur m'a dit clairement dans une vision que mon ami, tu ne touches pas au vin, aux boissons alcoolisées parce que j'étais mis à part pour mon service. Donc je ne bois pas. Je ne veux pas en boîte de nuit. J'ai dit à quelqu'un que s'il faut que moi, prophète Fédine Kane, j'aille en boîte de nuit, mes amis, je loue la boîte là pour toute une nuit, ou bien une semaine. Dieu m'a donné les moyens de le faire. Mais le Seigneur m'a dit clairement qu'il y a des milieux que tu ne dois pas fréquenter. Il y a un habillement que tu ne dois pas avoir. Il y a un genre de langage que tu ne dois pas tenir. Donc il y a tellement d'interdits que le Seigneur m'a donné que j'ai dit que c'est compliqué pour moi de devenir un impie. C'est très compliqué, c'est sérieux, c'est compliqué. Donc, cette présence de Dieu est ma sécurité et Dieu est vraiment un berger pour moi. Et quand Dieu dit que Jésus est le bon berger, ce n'est pas le racontage, c'est une réalité. Il, il est jaloux de ses brebis, il est jaloux de ses serviteurs. Donc tout homme, toute femme qui appelé de Dieu et qui a le saut de Dieu dans sa vie, c'est compliqué pour voir cette personne aller à la dérive, se perdre. C'est très compliqué. Dieu ne permet pas ça. Dieu veille sur ses serviteurs. Il veille sur eux pour qu'ils accomplissent l'œuvre à laquelle il les a appelés. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, bien aimé, le problème de la mort des hommes de Dieu dans notre nation-ci est venu surtout à cause de deux grandes raisons principales que le Seigneur m'a révélées. Il y a deux grandes raisons. La première, c'est la dépravation des hommes de Dieu dans leur voie personnelle. La dépravation, ça veut dire lorsqu'un homme de Dieu perd la crainte de Dieu. Tu perds la crainte de Dieu. Par exemple, vous êtes, et la deuxième raison que je donne sa vie pour ne pas oublier, et la deuxième raison, c'est l'absence de dire la vérité, de prêcher la vérité au peuple. Voilà les deux raisons pour lesquelles Dieu a jugé ses serviteurs dans ces nations et qu'il continue encore à nous juger. C'est ces deux raisons la dépravation de la vie des hommes de Dieu, et puis la rétention de la vérité captive par les hommes de Dieu. Je vais revenir sur ces deux points. Commençons par la dépravation de la vie. C'est quoi la dépravation de la vie des hommes de Dieu Ça veut dire que lorsqu'un homme de Dieu, regardez, nous devons comprendre une chose déjà, une loi qui, qui est le dénominateur du ministère, c'est que le ministère commence sur la terre, mais le ministère finira devant le tribunal de Dieu. Donc je dois être conscient en tant qu'homme de Dieu que Dieu va me juger de toutes mes actions, de toutes mes paroles et de tous mes faits. Mais, mais ma vie secrète et ma vie, c'est-à-dire ma vie privée et ma vie publique, tout ça sera exposé devant le Seigneur. Donc c'est important de le savoir. Et que je rendrai compte à Dieu de la manière dont j'ai géré sa maison, l'argent de sa maison, les brebis et le patrimoine de l'Église. C'est important. La Bible dit dans Timothée, c'est Timothée 3, verset 15, afin que tu saches si je tarde et comment te conduire dans la maison de Dieu. L'Église est du Dieu vivant. La connaît la plus la vérité. Dans la maison de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait de l'église leur propriété privée. Ou bien leur bien familial. C'est un danger. C'est un problème sérieux. Ça fait partie des dépravations. La dépravation des voix des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas peur de dire que mon église. Quand ça ne se passe pas comme ça dans mon église, mon ami. Personne n'a d'église. C'est Jésus-Christ qui a l'église. Il dit un et te pétra. Mouten ecclesia. Mouten ecclesia. Mon église à moi. Mouten ecclesia en grec, c'est un peu ça a une connotation de jalousie. Mon église à moi. Donc l'église n'appartient pas à un homme de Dieu. Les brebis ne sont pas la propriété privée d'un homme de Dieu. Donc ça fait que plusieurs d'entre nous, nous sommes tombés dans le culte de la personnalité. Et le culte de la personnalité est d'autant plus dangereux qu'il pousse le peuple dans l'idolâtrie. Lorsque l'homme de Dieu veut montrer qu'il est sans faille. Il est un Dieu. Et ou bien il est Dieu. Lui n'a pas d'erreur dans sa vie. Il n'est pas un humain. Et donc, rien ne peut se faire sans lui. Que par lui. Et sans lui. Et hors de lui, vraiment, il n'y a pas de salut dans son église. Il est le seul qui détient le monopole de la vérité. On met son église là. Personne d'autre dans une autre église ne peut être sauvé. Foutais. C'est -ce? faux. Il faut savoir que comme Dieu t'utilise là, il a des millions de serviteurs dans le monde entier qui travaillent. Toi seul, tu peux sauver le monde entier. Dans même ton pays, le Cameroun, ton quartier, même d'abord. N'est pas sauvé par toi, ne connaît même pas ton existence, à combien de forte raison le monde entier pour que Dieu mette toute la confiance du salut de l'humanité sur une seule personne, c'est faux. C'est faux, c'est dangereux. Donc, lorsqu'un homme de Dieu fait de l'église sa propriété privée, j'étais quelque part un jour, ça fait longtemps, et j'étais rendre visite à un ami. Écoutez bien, c'est très dangereux, ces choses-ci-là. J'étais rendu visite à un ami. Et puis il y a un père de l'église qui est venu. Moi, je ne le connaissais pas, c'est ma première fois de le voir. Lorsqu'il est entré là-bas, il me trouve. Donc, comme mon ami travaillait avec son décret, mon ami s'est levé. Moi, je ne le connaissais pas. Il s'est levé, il a salué sa personne. Et moi, si je lui ai dit bonjour monsieur, il était assis. Il s'est tourné contre moi. Il s'est mis à m'insulter, à me maudire. Il me demande, tu sais qui je suis hein Tu sais qui je suis dans le pays ici si Est-ce que tu ne sais pas que moi, si... Quand je prêchais ici, c'est la police avec le motard qui m'escortait. Est-ce que tu ne sais pas que je peux fermer cette église? Je ferme les bêtises ici. Maintenant, en un seul mot, on ferme les bêtises ici. Je me suis levé. Et il s'est approché de moi. Et il me dit, est-ce que tu ne sais pas que je peux te gifler là maintenant? Je lui ai répondu calmement que vraiment, qui que vous soyez, je m'en fous. Qui que vous soyez, vraiment, je m'en fous. Je vous connais pas, vous me connaissez pas. Je m'en fous. Je ne suis pas obligé de vous saluer en plus. Ah, je peux fermer l'église. J'ai dit que fermer. D'ailleurs, ce n'est pas mon assemblée. Moi, je n'ai même pas d'église. Et si vous fermez, vous aurez affaire, pas au pasteur, mais au chef de l'église, Jésus-Christ lui-même. C'est à lui que vous aurez affaire. Et c'est tout ce sais, que je vais te ici. J'ai dit que vous me giflez, je vous rends. Excusez-moi, mais je lui ai dit ça clairement. Vous me giflez, je vous rends. Avant que votre main arrive sur ma joue, ma, ma main vous donne le double mawashi guéri. Il a parlé, l'autre pasteur m'a dit Non, je me suis assis. Je n'ai rien compris. Je ne te connais pas. Tu te mets à me maudire parce que je ne t'ai pas dit bonjour en me levant. Donc, c'est ce comportement qui est en train de tuer l'église au Cameroun. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus tellement orgueilleux que tentent de l'appeler frère tu appelles un homme de Dieu frère ou appelle le par son nom ou par son prénom. C'est le problème, c'est la malédiction que tu vas recevoir. Donc il y a des hommes de Dieu qui ont, c'est-à-dire ce que j'appelle l'idolâtrie des noms, vous voyez, la titrolatrie et la titrologie, qui sont devenus un problème réel dans l'église aujourd'hui. Appelle quelqu'un, un euh, euh, pasto, pasteur, il, te demande, il va te répondre que je suis un bishop, je suis un évêque, hein? un archevêque. Or, les titres là ne servent à rien, ça c'est à zéro. Dieu ne nous juge pas sur les titres mais sur la justice de notre vie. Et il faut comprendre que plus tard même, lorsque j'ai commencé à découvrir qui était le, le papa qui a voulu me taper pour rien passer les salut qui me jugeait et me condamnait, je vous dis la vérité, il m'a invité dans des lieux où si je dis ici, là, les gens ne vont pas croire. J'ai refusé. Et je suis arrivé dans les, un sous-quartier, dans des... Les gens connaissent des mapanquins, on te dit que ça existe, toi, mais tu ne sais pas. Il m'a dit d'entrer. Je lui ai dit que ma foi ne me permet pas d'entrer dans des milieux comme ceux-là. Donc, pour dire quoi, nous devons faire attention. La dépravation de la voix des hommes de Dieu dans notre nation, c'est-à-dire que quand le péché devient normal, quand le péché, c'est-à-dire que tu ne peux plus fuir le péché, tu ne peux pas reculer devant le péché. Lorsque tu ne peux pas avoir de frein devant le péché, lorsque tu pèches, tu n'as pas de remords. En fait, c'est cet état de choses, cet état animal, qui apporte le jugement de Dieu et sa condamnation dans notre nation et dans d'autres nations. Et ce jugement va bah, quitter le Cameroun pour atteindre d'autres nations. Où les hommes de Dieu ont perdu le sens de l'intégrité, de la crainte de Dieu. La Bible dit que si le juste perd la crainte de Dieu, l'impie fera comment C'est un problème sérieux. Dans cette dépravation de la voix des hommes de Dieu. Moi, j'ai connu un homme de Dieu à l'époque, ici, au Cameroun. Lui, euh, il faisait, comment on appelle ça Le curetage spirituel aux femmes. Il faisait le curétage spirituel. Et ça, c'est une histoire qui est connue. Il faisait le curetage spirituel aux femmes. Et c'était public. Moi, je suis allé à l'époque dans son église parce que je présentais les CD sur l'islamologie. Je ne le connaissais pas, je l'ai découvert ce jour-là et après. Non, il m'a parlé. Quand il curetage, curetage spirituel. Ce n'est pas qu'on m'a raconté. Parce que ce n'est pas les choses qu'on raconte d'ailleurs. Non, j'ai vu de mes propres yeux. Les femmes viennent, ils te font coucher, tu te déshabilles, toute nues. Les soeurs à l'église, toute nue. Et il met sa main dans ta partie intime. Il dit qu'il enlève le fibrom, il enlève les kystes. Il enlève le myome, il enlève les maladies, il enlève les essuies de blocage dans ton ventre. Et c'était 100 000 francs pour un curetage. Et les femmes se bousculaient comme ça. Je ne sais pas ce que les femmes, femmes veulent même. Les femmes se bousculaient comme ça. Pour aller, pour qu'elles fassent le curetage spirituel. Cet homme de Dieu est passé dans une radio chrétienne de la place. Et le journaliste lui a dit qu'on a appris que vous faites le curetage spirituel aux femmes. Il dit oui. On lui demande c'est quoi. Il dit, moi je mets la main dedans, j'enlève les saletés là. Je m'en fous. On lui dit, mais est-ce que Jésus faisait ça? Est-ce que Jésus-Christ faisait ça? Il dit, mais si Jésus ne faisait pas, moi je fais. Moi tel, je fais. Ou c'était un archevêque. Moi je fais. Je vous dis la vérité. Pendant qu'on était en train de prouver au peuple que ce qu'il faisait n'est pas bon, les femmes appelaient pour prendre un rendez-vous en direct à la radio. Papa, nous voulons votre numéro. Pardon, papa, moi-même j'ai le ici, -si, je veux vous voir. J'ai besoin de curetage spirituel en direct. Les femmes appelaient comme ça. Et le gars donnait son numéro. Ça dit qu'on voulait redresser le peuple. Le journaliste voulait éduquer le peuple de Dieu. Le gars est sorti avec les clients comme ça, les patients comme ça, le jour-là, après son émission. Donc, quand je l'ai vu, Dieu m'a dit que lui, je vais le retirer. Et il est mort. Il est mort juste après ça. Donc, Dieu nous tue à cause des œuvres cachées que nous faisons, que le peuple ne voit pas. C'est pour ça que les hommes de Dieu meurent. La corruption dans la vie des hommes de Dieu, ça veut dire que. Les hommes de Dieu, là, on appelle la crainte de Dieu et que Ça dit, euh, vraiment, vraiment. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des ivrognes dans ce pays. Des ivrognes. Des ivrognes tout fait, fini. Leur vie est finie. La Bible dit, ne vous attardez pas. Le grand matin autour des liqueurs fortes et autour des boissons mêlées. Il y a des hommes de Dieu, leur vie est gâtée par l'ivrognerie. Les boissons, ça dit que les hommes de Dieu qui bavent le ha. Il, il boit le pata. Il boit le quoi encore Le whisky. Il boit le fighter eight. Ça à dire que tu vois que la vie d'un homme de Dieu, il est misérable. Tu le vois comme ça là. Ça, ses yeux ne tiennent plus debout. Le gars est en même temps maître de la gauche et de la droite. Il ne voit plus bien. Et son courage est dans la boisson. L'esprit de Dieu l'a quitté depuis longtemps. Et c'est un problème. C'est un problème très sérieux. Donc, c'est à cause de cette dépravation de mœurs. Des hommes de Dieu, que la colère de Dieu est entrée dans l'Église. Ça, c'est la première chose. La colère de Dieu est entrée parce que beaucoup d'entre nous, nous avons perdu la foi. On a perdu Dieu et Dieu nous a quittés. Et ça pose un réel problème dans l'Église aujourd'hui. Et comme Dieu nous a quittés, on est devenu des dangers pour les brebis. Et pour que les brebis ne se gardent pas davantage, Dieu préfère nous tuer et trouver des bergers selon son cœur, et il les met. Si ceux-là se corrompent aussi, Dieu les tuera, et il va aussi remplacer. Donc, pour que Dieu commence à tuer ses propres serviteurs, mes amis, ça veut dire qu'on est devenu un réel problème pour Dieu. On est devenu un très, très, très sérieux problème pour Dieu. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité aujourd'hui. Donc, il faut que euh, euh, l'Église puisse comprendre, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est pour ça que l'Église... Vous devez comprendre une chose, les chrétiens doivent savoir une chose, vous n'avez pas besoin de juger les hommes de Dieu. C'est Dieu qui nous juge. Dieu lui-même ne nous laisse pas. Non, Dieu ne nous laisse pas. À cause de vous, Dieu ne joue pas avec ses brebis. C'est pour cela qu'il y a, regardez, Lorsque, quand je parle de la dépravation des mœurs, par exemple, aujourd'hui c'est très facile d'entrer dans une église. Tu vois telle seul, le pasteur couche avec elle, telle seul, le pasteur couche avec elle, telle seul, le pasteur couche avec elle, telle seul, le pasteur a couché avec elle, telle autre sœur le pasteur a couché avec elle, avec elle. Attends, es Au moins la matière, l'église là, le gars civilisait toutes les fesses. Tu vois, tout le monde là, les fesses rouges là, c'est le gars, c'est le pasteur qui est en train de civiliser ça. En ce temps-là, le berger est devenu un loup dans la bergerie. Et si vous ne vous repentez pas automatiquement, Dieu sera obligé de vous retrancher parmi les vivants pour que ces brebis ne continuent pas à être égarées. C'est un problème très sérieux. Il n'y a pas une plus grande fierté pour un homme de Dieu de dire que dans l'église ici, il n'y a personne qui peut se lever pour dire, qui, qui couche avec moi. Aucune femme peut se lever dans cette église pour dire, moi je sors avec papa. Il n'y a pas plus grande fierté que ça. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se lever et dire en public, comme j'ai fait à Douala, Dherbo, bien ici à Yaoundéke, je ne vois pas qui ici que la personne se met debout. C'est une grande fierté, mais en même temps, ça demande beaucoup. De sacrifice, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de consécration et surtout beaucoup de prudence et d'attention. Beaucoup de prudence d'attention parce que il faut bien que le pasteur soit un bon père, qu'il soit un éducateur, qu'il soit un modèle, qu'il soit un exemple. Il le faut. Il faut qu'il soit un exemple. Il faut absolument, ça veut dire que même si tu aimes le sexe n'importe comment, en tant qu'homme de Dieu, il faut que ton zizi naisse de nouveau. Il doit naître de nouveau absolument. Ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps à prêcher l'évangile. À ton Zizi, en tant qu'homme de Dieu, excusez-moi le terme, mais laissez-moi le dire comme ça. Je, je parle même avec vergogne. Il faut passer le temps à, à, à rendre ministère à ton Zizi, qu'il naisse de nouveau. Dis-lui, naître de nouveau au nom de Jésus. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, selon ce qui est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est important. Parce que si vous n'arrivez pas à ça. Si un homme de Dieu n'arrive pas à dire non au péché sexuel dans son église, il est fini. Il est cuit. Il est cuit. Parce que vous aurez peu de vos filles qui vous diront non. Puisque vous savez qu'il y a d'abord une carence de mariage. Le mariage est devenu trop rare. Maintenant, les frères même, tu vois, les frères sont devenus tellement parisiens, même dragués, les soeurs, ils ne savent plus. Hein? Et en plus, les gars vont prendre dans leur village. Ils laissent Jérusalem. Ils vont en Samarie. Et c'est ça, ça cause le problème. Et ça fait que le reste des sœurs-là, leurs yeux, il y a qui sur le passeur celui qu'il faut abattre, c'est le pasteur. Et donc, ça fait que lorsqu'il y a une occasion vraiment, celle qui va perdre même la crainte de Dieu, là, elle va oublier qu'elle est enfant de Dieu, et elle se retrouvera en train de faire ce qui est mauvais. Et donc, il faut que le pasteur, en tant que pasteur, nous, en tant qu'homme de Dieu, devons porter notre responsabilité, serrons le cœur et disons non. Parfois, il y a des filles, toi-même, tu vois la fille, tu confirmes. Tu confirmes. à dit que comme la fille, même, elle sait qu'elle porte la confirmation en elle, c'est alors où elle veut s'asseoir premier banc. Les soeurs, excusez-moi, ne dis pas que tu t'en sois pas pour ça. Je m'en ai parlé, c'est une vérité générale. Il y a des soeurs, tu regardes le produit comme ça là, ça veut dire que ton cœur bat en toi-même. Mais il faut attacher le cœur. Il faut absolument résister. La résistance au péché est importante. Pourquoi? Parce que le pasteur doit être un modèle, il doit être un exemple. Ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Ça, je le sais, et tout le monde le sait, tous les pasteurs peuvent le dire, ce n'est pas compliqué. Plus vous grandissez dans le, le ministère, plus la tentation, votre tentation augmente aussi. Mais, il faut à un certain moment penser à la responsabilité que Dieu nous a donnée, au rôle que nous devons jouer et être capable de dire que non, vraiment, je veux être un modèle pour mon peuple, je veux être un modèle pour mon troupeau. Vraiment, c'est vrai que ça me manque, mais j'ai dit non à ça. Au nom de Jésus-Christ, je veux être un bon exemple. Il y a des choses que tu regardes, c'est fait, ça te traumatise. C'est ça la vérité. Il y a des choses que tu regardes comment l'enfant-là, Dieu l'a formé. Ça veut dire qu'il y a le cauchemar qui t'attaque, l'esprit de cauchemar qui t'attaque. Mais quand tu penses aussi à tous les réseaux courbés qui sont autour de toi, tu dis que non, je ne veux pas être égoïste ou égocentrique. Je ne veux pas aller me faire plaisir pour tuer maintenant le reste du troupeau. Je dois être un exemple. Alors à partir de ce moment, résiste. Résiste. Dis non, je ne peux pas. À cause de, à cause de Trouve-toi toujours une bonne raison pour dire non. Je me souviens lorsque mon épouse était encore vivante. Un jour je suis rentré du voyage et puis elle s'est mise à pleurer. Elle m'a demandé, elle m'a dit que mon mari, vraiment, je crains de te perdre. Ça, c'était peut-être deux mois avant sa mort, deux mois ou trois mois. Et je lui pose la question, tu crains de me perdre. Ça, donc j'étais étonné, ça m'a fait comme je dis MAM Je me retouche la regarde. J'ai dit, ma mère, ça sent encore doux, ce genre de langage, je crains de te perdre. Ça, c'est la première fois que tu me tiens tel langage. Et elle m'explique. Elle m'expliquait, comme ça fait plus, près de deux ans, on n'a pas eu de rapport sexuel vraiment. Et ça, personne ne pouvait imaginer que mon épouse et moi, on a passé près de deux ans, les deux dernières années de notre mariage, sans avoir presque de rapport sexuel. Ça ne me gênait pas. Donc elle, elle pensait que ça me dérangeait et que j'étais en manque. Même si je suis en manque, je gère. Je lui disais que ma deuxième femme, je suis un polygame. Ma deuxième femme, c'est le ministère. C'est-à-dire que je bois la prière, je bois la méditation, j'organise les campagnes d'évangélisation à tu tête, tellement je suis occupé que ces choses-là passent. Je n'y pense pas. Et c'est la vérité. Je n'y pense pas. Donc elle me dit qu'elle craint de me perdre parce que ça fait près de deux ans mais ne me satisfait pas sexuellement à cause de ses indispositions et son état de santé. Je lui ai dit que maman, pardon. Pardon. Les larmes ont même failli couler de mes yeux. J'ai dit que comment on est arrivé à ce point où toi tu te plaignes? Déjà, hein? Il faut savoir que si je te suis fidèle, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Avant même que je ne t'épousasse, j'étais déjà enfant de Dieu. Avant que nous ne marchassions ensemble, j'étais déjà enfant de Dieu. Il faut que tu comprennes cela. Donc, c'est d'abord pour Dieu, pour mon alliance, préserver mon alliance, que je me préserve. Donc, et deuxième chose, parce que je, je t'aime. Et je lui ai dit, tu es tellement belle pour moi que tu es, 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 es la perfection, tu es mon idéal. Donc, je ne vois pas la fille qui va venir. Prendre mon cœur, et c'était vrai. Et c'est la réalité. C'est que j'ai dit, Dieu m'est témoin. Je ne vois pas la fille qui va venir prendre mon cœur et que je vais aimer. Je vais aimer la fille là, je t'aime encore. J'ai dit à ma femme que ce n'est pas possible. Tu as pris tout, 100%, 200%. Il n'y a plus d'espace. Tu es la plus belle créature que j'ai connue. La plus belle des femmes. Plus belle. Ça dit physiquement. Plus belle. Sur le plan caractériel, le plan comportemental. Plus belle. Un comportement ornemental. Très, très joli. Ça dit une femme douche des dents une richesse c'est une perte pour moi c'est une perte j'ai perdu quelque chose d'extraordinaire j'ai perdu bon mais c'est Dieu le patron mais ce genre de femme là c'est terrible les femmes d'aujourd'hui là dans l'église méfie-toi elle te tape bien d'abord même tu tapes quand elles te veut elle peut tout faire mais dès qu'elle t'a déjà elle te tape bien elle dit viens ici vite. oh Combien oh, arrête Maintenant, quand tu pleures, quand les gens arrivent, elle te portent tes te mains sur elle. Elle dit aux gens, vous voyez, c'est lui qui me tape. C'est ça la vérité aujourd'hui. Donc, comment est-ce que j'ai passé deux années sans rapport à ce choix avec ma femme Les gens, personne ne pouvait imaginer ça si on n'en parlait pas. Personne. Pourquoi Parce qu'en réalité, mes bien-aimés, la vie, il faut connaître ce qu'on veut. Il faut connaître ce qu'on veut. Tu dois savoir ce que tu veux. Parce que si tu as une femme, après tu vas encore aller sauter encore d'autres femmes dehors. Ça dit que je pense que c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. C'est ça qui m'aide. C'est la même chose. Ça dit que la couleur peut changer, les formes peuvent changer, mais le fond, c'est le même. La forme est différente, mais le fond, là, c'est la même chose. À la fin, c'est toujours le même christ strident, et puis euh, cette voix chevrotante, et puis un peu de tremblote, et puis c'est tout. Et c'est tout. Après ça, il n'y a plus rien. Et c'est la même chose que tu as à l'intérieur. Donc, la tentation est très grande. La dépravation des mœurs des hommes de Dieu a attiré la colère de Dieu. En sorte que, au lieu de faire le ministère, on cherchait l'argent, c'est les affaires, c'est le business, etc., etc. Donc, il y a tellement de choses qui se sont faites. Ça veut dire que de, la prostitution est entrée, l'esprit de prostitution, l'esprit de beuverie, l'esprit d'ivrognerie, de mondanité. Lorsque le milieu spirituel devient mondain, automatiquement, à moment moment, Dieu doit intervenir pour préserver la vie de ses brebis. Donc, je pense que c'est la première cause fondamentale qui a poussé la mort des hommes de Dieu, le refus de la repentance, de la part des hommes de Dieu, même quand bien même Dieu leur a parlé, le refus. Parce que tu peux t'égarer, Dieu te parle et tu reviens au bon sentiment, au meilleur sentiment, et puis tu avances avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais c'est que les gens sont devenus incrédules et ont méprisé le nom de Dieu. Et nous avons continué dans cette iniquité-là, dans cette mauvaise façon de faire-là, et puis voilà, Dieu s'est passé contre nous. Donc la deuxième chose, c'est le manque de vérité. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ne peuvent pas dire la vérité au peuple. Parce qu'ils se disent que si je dis la vérité, si là, ça peut blesser telle personne qui me soutient financièrement, telle personne qui m'aide matériellement. Ou alors si je dis la vérité, les gens ne viendront pas à l'église. Et nous avons souvent tendance à croire que si on dit la vérité aux gens, ça fait que nos églises se vident. Et si on leur dit ce qu'ils veulent entendre, alors les églises vont grandir et se remplir. Non, au contraire, c'est la vérité qui attire. La vérité attire les brebis du Seigneur Jésus. Tandis que le mensonge qu'on presse dehors là va attirer plutôt les brebis galeuses. Non Ceux qui ont besoin du salut vous suivront. Nous vous suivrons. C'est la vérité qui a franchi. C'est pas la vérité que nous triomphons. C'est pas la vérité que nous libérons les captifs. Ce n'est pas la vérité que l'église grandi. Et c'est sur l'église, c'est la vérité que l'église est bâtie. Et afin que tu s'assises, je comment te conduire? Dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Donc il faut prêcher aux gens ce que Dieu te dit de prêcher. Il ne faut pas dire aux gens ce qu'ils veulent. Il faut dire aux gens ce que Dieu veut. Lors de ma dernière campagne en Suisse, je suis arrivé là-bas et puis j'ai rendu ministère le premier jour. Et le deuxième jour, mes filles là-bas sont venues m'appeler. Après, elles m'ont trouvé à l'hôtel. Elles me disent que papa, vraiment, les gens ne sont pas très contents parce que vous n'avez pas prophétisé. Comme on voit souvent à la télé là. Comme on voit au Cameroun. Vous n'avez pas beaucoup prophétisé. Uh -huh. Vraiment, il faut prophétiser. Hein. Ça va faire que les gens viennent encore plus. Non, je les ai mis à leur place directement. Je les ai mis à leur place. Je leur ai demandé qu'ils Vous savez, c'est vous qui m'avez recruté. Vous savez ce que ça coûte à Dieu de susciter un homme de Dieu c'est vous qui me donnez le programme de ce que je dois faire. C'est plus le Saint-Esprit. Je leur ai dit, ne répétez plus jamais cela. Ne le répétez plus jamais. C'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Je fais ce que mon Seigneur m'ordonne de faire. C'est ça la vérité. Un jour, un homme de Dieu m'a invité. À l'époque, je n'avais même pas encore commencé le ministère. Mais c'était je pense, c'était en 2011. C'était, il y a un collège, c'est ce, France Fanon, enfin, je sais pas trop quoi. Donc c'est la sortie des pasteurs. Et le Seigneur m'a amené là-bas. Et donc, l'homme de Dieu m'a invité. Et il m'a dit qu'il veut que je prêche. Ok. Il n'y a pas de problème. Je suis arrivé. Et j'étais assis. Il y a des évêques qui sont entrés. Des archevêques qui sont entrés. Des docteurs qui sont entrés. Lorsqu'ils sont entrés, la foule se levait. D'autres ont tenu leur robe. Au moins à 5 mètres. On tenait la robe. Pour que la robe, la personne entre, sa robe, il y avait tout un long protocole pour tenir la robe. Tout le monde devrait faire le signe comme ça. Vous saluer et donc et moi j'étais maigre, maigre comme ça maigrichon avec un aspect euh, usurilocal et jugal euh, squelettique et morbide et fantomique et fantasmagorique tout ce que vous voulez je vois c'est grand c'est grand c'est grand c'est grand, grand et puis moi là où je suis assis petit comme ça tout mince je demande à dieu mais seigneur pourquoi toutes ces grandes personnalités religieuses de l'église sont assis et c'est moi Choisi pour aller prêcher à ces pasteurs, vous savez ce que Dieu m'a dit? Le Seigneur m'a donné une réponse simple que je n'oublierai jamais. Il m'a dit: Regarde-les, j'étais choisi pour que tu dises la vérité que ne peuvent plus dire, tout simplement. Et j'ai compris cela. Et je me suis levé le jour-là, j'ai parlé. Quand j'ai parlé, tous ceux qui sont venus après moi, les docteurs en théologie, les agrégés, etc., ont dit qu'ils ne peuvent plus rien dire parce que le petit-là a gâté tout. C'est ça la vérité. Donc, bien-aimé, un homme de Dieu doit dire au peuple ce que son Dieu lui commande de dire. Quitte aux gens de t'insulter, de te rejeter, de ne plus te soutenir. Je préfère dire la vérité et perdre le plat de nourriture ou bien perdre l'argent. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter personnellement, sincèrement. Je ne peux pas accepter dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Il y a des gens qui sont venus me voir pour demander que papa... Quelle est la prophétie Je veux la prophétie. Qu'est-ce que Dieu dit sur moi Et je réponds à quelqu'un que Dieu ne m'a rien dit sur vous. Les gens s'étonnent. Mais comment un prophète peut dire que Dieu ne lui a rien dit sur moi Je dois inventer. Donc je dois mentir pour te faire plaisir. Si Dieu ne m'a rien dit, dit il te dit qu'il ne m'a rien dit. Qu'est-ce que Dieu Vous avez écouté Je n'ai rien écouté. Mais les gens ont la démangeaison d'entendre des paroles succulentes. Et beaucoup d'hommes de Dieu, au lieu d'être des serviteurs de Dieu, sont devenus des griots pour le peuple. Ils sont devenus des griots. C'est-à-dire que quand quelqu'un entre dans l'église, <coughs> il a cette personnalité financière. C'est une personne qui a l'argent. <coughs> tu vas te remarquer que le pasteur est l'ami de la personne. Il y a des églises que quand tu entres, tu vas trouver que devant là, c'est seulement les riches. Il n'y a pas de pauvres parmi. Le pasteur est l'ami de tous ceux qui ont des, une ascension sociale euh, globale, glorieuse. Ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont une autorité. C'est un commandant, c'est un colonel, c'est un ministre, c'est un sous-préfet, c'est un préfet, etc. C'est le passé intéressé par ces personnes. Non, bien aimé. C'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Dans l'église, on doit positionner les gens selon leur mérite et non selon leur rang social. Parce que c'est la maison du riche et c'est la maison du pauvre. C'est la maison de celui qui travaille, c'est aussi la maison du chômeur. C'est le même Dieu, le même Père pour nous tous. Donc voilà pourquoi certains hommes de Dieu sont devenus des esclaves. Ils sont devenus des esclaves. Ils sont devenus des esclaves. Esclaves de certaines personnes. Esclave, dans l'église, et donc, tu vas te retrouver que c'est les gens qui te disent ce que tu dois prêcher, tu vas prêcher un message qui va déplacer, qui va te dire que vraiment, je suis très passé parce que le message que tu as prêché là, me concernait, c'est comme si c'est ma vie, donc, comme c'est comme ça, je veux le soutenir, je te donne plus le carburant tes enfants n'iront plus à l'école. Non! Un homme de Dieu ne doit pas être esclave des personnes riches ou des personnes influentes dans son église. On s'en fout de ça. arrête quand vous entrez, vous ne pouvez pas imaginer les personnes qui sont assises dans notre assemblée. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que j'ai enseigné la valeur de l'humilité même si tu es qui, tu es zéro, tu ne vas pas aux toilettes. Quand tu vas aux toilettes, c'est l'eau qui sort là-bas. Si c'est qui sort chez moi, sort chez toi, mon ami. Même si tu es qui, on est même. We are one people. On est là. La même race. Quand tu as fait une manche, ou quand tu as sorti, tu ne bois pas l'eau, ou tu le caillou que tu bois. Donc, l'orgueil de l'homme ne sert à rien. Il faut que l'homme de Dieu montre au brebis que nous sommes tous Égaux devant le Seigneur, on a tous les mêmes prérogatives, on a tous les mêmes grâces, les mêmes bénédictions, et c'est la maison de Dieu pour nous tous au même titre, pour chacun de nous. Il faut que les gens comprennent cela. D'un homme de Dieu ne doit pas courir devant les personnes riches et devant les personnes influentes. Moi personnellement, je ne suis pas comme ça, dans tous les cas. Il n'y a personne. Personne. Il y a des hommes de Dieu qui, dans cette dépravation, la cupidité, a fait que l'homme de Dieu est endetté jusqu'à. Endetté. Aller demander dans tout notre ministère. Je ne dois personne, dois rien à personne. Je n'ai jamais demandé l'argent à une brebis, jamais de la vie, jamais. Je n'ai la dette de personne. Tout ce que j'ai réalisé, c'est sans dette. Je ne dois rien à personne. Même si tu as le milliard et je manque de tout, je ne viendrai jamais par fierté de ministère, par honneur pour le ministère, le saint ministère, le saint sacerdoce, moi. Je ne viendrai jamais devant toi pour dire, va l'argent. J'ai côtoyé, j'ai des enfants qui sont des milliardaires. Des amis qui sont des milliardaires. Je ne suis jamais allé là-bas demander. Jamais. Je ne fais jamais ça. J'ai dit à quelqu'un que toutes les réalisations que nous avons faites, c'est sans dette. C'est ça la vérité. Donc il faut que les gens comprennent. Il y a une gloire dans le ministère que nous devons préserver. Un homme de Dieu, ça se respecte. C'est-à-dire pour que les gens te respectent, il faut que tu te respectes, tu imposes le respect. Mais si tu vas tous les jours chez tes brebis, tu leur poses les problèmes. Ils vont te respecter comment? Puisque celui qui te donne une fois, te donne deux fois, trois fois, le fait qu'il te donne va toujours lui donner, va commencer à lui donner un esprit de supériorité sur toi. Et le fait que tu reçoives te donnera une position d'infériorité. Oh, c'est très dangereux. Si ça ne va pas. Au lieu d'aller accu, acculer tes brebis, et c'est elle qui t'a appelé. Va acculer celui qui t'a appelé. Va acculer ton maître. Dis à ton maître que ça ne va pas. C'est à lui que tu dois poser des problèmes. La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ça qu'il faut faire, bien-aimé. Donc je pense que euh, parfois, on a tellement fait des choses ridicules que nous-mêmes, on a tourné euh, au ridicule. Donc euh, Dieu ait pitié de nous. Il y a tellement de choses que j'ai encore à dire là-dessus. Et je pense qu'on aura assez de temps pour en parler. S'il vous plaît, soyez patients et priez que Dieu nous donne d'entrer dans les méandres des échos Parce que c'est des sujets que beaucoup n'aiment pas qu'on aborde. Malheureusement. Mais on ne peut pas ne pas aborder. Il y a beaucoup qui m'ont écrit que non, pasteur, prophète, non, vraiment. Il faut laisser ça. Vous en avez trop parlé. On parle déjà trop de ça. Vous avez... Non, on ne peut pas arrêter. Il faut qu'on continue pour que s'il y a... Parmi nous, qui sont égarés, qui reviennent à la vérité, que les gens comprennent la réalité et que plusieurs soient sauvés. La vérité ne doit pas déranger les gens. La vérité doit venir pour te sauver, pour nous ramener. C'est ça la vérité. Il faut que les gens comprennent ces choses-là. Donc, être homme de Dieu en conclusion est une lourde responsabilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger vos hommes de Dieu n'importe comment. Quand tu vois un homme de Dieu dans une certaine position qui est mauvaise, tu ne sais pas comment le gars s'est fait, euh, euh, comment le gars fait pour se retrouver là-bas. C'est que le gars subit tellement de tentations. Il y a une parole même qui nous vise. Frappe le berger, et les brebis se disperseront. Donc tous les jours, on esquive les coups de l'enfer, les coups de Satan, les coups de la tentation, des épreuves, etc., etc. Donc, lorsqu'il arrive qu'un homme de Dieu soit dans une position mauvaise, priez pour lui au lieu de le condamner. Et sachez que vous n'êtes pas juge des serviteurs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est juge et il est jugé assez bien et nous juger assez bien. Nous avons une nuit de prière ce vendredi et je vous invite très nombreux à ne point manquer cette grande nuit de flamme ce vendredi à partir de 21h à la birre Ne manquez pas. Venez avec les familles et ce dimanche, par le grand Seigneur Jésus, nous avons le culte familial pour clôturer ce mois à partir de 7h30 à Yaoundé à la birre toujours en quoi Et puis le soir à 16h à Bertois. Soyez très nombreux. Que soit Yaoundé ou Abertoi, nous vous aimons. Douala aussi doit être très mobilisé pour le culte de famille ce dimanche avec service d'Ouent à Douala aussi. Que Dieu te bénisse, que sa main soit avec toi. Demeurons dans la prière et que la grâce du Seigneur Jésus soit notre force et notre soutien. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Shalom.